Dans l'épisode précédent. Oh, horrible, level 12. T'as pas 42. Mais c'est un légendaire, c'est un Giratina, bordel. Level... Oh, level... Ah, et ça, c'est... Oh, mais ça, c'est le pire level 1, c'est... C'est un Dracolos, bordel. Oh là là, mais j'ai tellement hâte de le faire évoluer, ce con. Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue pour le 6ème épisode sur Arc Pokémon. 6ème et dernier épisode. Et pour le coup, aujourd'hui, nous nous retrouvons au spawn. Soit là où tout a commencé, et c'est là qu'on peut voir qu'il y a quelques petites choses qui ont changé depuis le départ. Comme vous pouvez le voir, il y a tout d'abord pas mal d'arbres d'aberration. Enfin, je crois que c'est des arbres d'aberration, mais oui, c'est des arbres d'aberration. Pas mal de structures du mode Empire, je ne sais plus quoi, de Echo. Et en même temps, le Rockstar Pikachu qui vient de mourir. Ah bah, rip. Quelques petites maisons par-ci par-là. Voilà, et d'ailleurs, je savais même pas qu'il y avait... D'accord. Ah non, c'est Crafting Table. Ah, mais oui, putain, je suis con. Ah, j'avais oublié qu'il y avait ce truc-là de Crafting Table et tout et tout. En plus, on l'a vu en début de série avec Nether. Mais bon, alors, si je me retrouve au spawn aujourd'hui, c'est déjà pour faire un petit peu visiter la chose, même s'il n'y a pas grand-chose. Mais surtout pour parler d'un truc, parce que très récemment, j'avais dit... Et cette Pokéball a totalement disparu dès que je l'ai mis dedans. Elle n'est plus dans mon inventaire. Et ben, en fait, en discutant avec Cross, je me suis rendu compte... Qu'il n'était pas perdu. Non, non, il est juste dans le Pokéball Storage. Voilà. Et lorsque notre équipe est pleine, la Pokéball va directement ici. Et donc, j'ai récupéré le petit Charizard level 923. Oh, et ça, c'est plutôt cool, puisque, petite chose, le Charizard level 839 que j'avais lors du précédent épisode est mort de faim. C'est... Voilà. Donc ça, ça m'a permis de farmer un certain nombre de crédits. Pareil avec Cross. Donc on ira voir ça juste après. Mais avant de se diriger au spawn, on va tout d'abord aller voir la petite base de Chiren, puisque Chiren a fait une base très récemment. Enfin, très récemment. Quand même, ça date un petit peu. Et je me suis dit, ben... Pourquoi pas la visiter? Puisque il a quand même mis pas mal de temps à faire, hein, et c'est, ouais, le bordel. Il l'a vraiment géré avec les modes Echo, que ce soit le mode aberration, que ce soit le mode normal, il a mis masse d'arbres, masse de rochers, il a fait énormément de landscape, et c'est juste littéralement magnifique. Il a même d'ailleurs une petite équipe de Pokémon, bon, pas forcément très haut level, parce qu'à mon avis, il a dû les crafter, mais qui reste plutôt pas mal. Donc voilà, ici, c'est sa base principale, je suppose, avec tout ce qui est table de craft, etc., etc. Mais dans le lac caché, qui est, je le rappelle, normalement, en très exactement 2070, il a vraiment géré pour tout ce qui est structure. Il a même mis des trucs que je connaissais même pas, l'élément Rock Tree. Ok, je savais même pas que ça existait, ce truc. J'ai dû le voir peut-être une fois dans ma vie. Non, mais c'est vraiment pour dire. Et ouais, non, franchement, c'est trop bien. C'est hyper beau. Alors, je sais pas s'il a vraiment terminé le truc. Alors, d'ailleurs, il y a aussi des ronflex ici, d'accord. Je sais même pas, d'accord. Il y a des ronflex qui spawnent au lac caché. Bon, bah, ok. Et pour le coup, on peut vraiment appeler ça un lac caché parce que. On le voit pas très bien. Ah, vraiment, avec tous les arbres, il est pas très très visible. Non, mais voilà, il a vraiment fait un truc plutôt pas mal. Il a même mis des petites structures par-ci par-là. Il a peut-être mis des rochers, mais je sais pas trop où exactement. Malheureusement, avec le mode Pokémon, ça n'a pas duré très très longtemps, puisque le mode est instable, mais un point, vous pouvez même pas imaginer. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est le dernier épisode, c'est qu'on a plus grand chose à faire. J'aurais vraiment aimé faire une grosse série dessus, sauf que là, c'est pas possible. Mais je pense qu'avec ces modes, lors de la prochaine série Primal Fear, on aura peut-être l'occasion de faire beaucoup plus. Dans tous les cas, nous nous retrouvons avec Monsieur Cross. Coucou. Bonjour. Hop, voilà, on va descendre. Et dis-moi, on a farmé pas mal de crédits depuis la dernière fois, non? Oui. Ouais, ouais, beaucoup, ouais. Nous avons, dans le Poké Terminal, très exactement 119 000 crédits. Ouais, on a farmé. Puisque vous l'avez très bien vu lors du précédent épisode, pour tout ce qui est Mewtwo, ça va coûter la peau du cul. Mais j'aurai un point. Le 25 000 crédits, il va faire, mais mal au cul. Et ouais, c'est ça, hein, c'est vraiment... Alors, par contre, moi, le seul truc qui me chiffonne un petit peu, c'est que ça coûte 500 engrammes. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais prendre un engramme. Genre, je vais prendre le mec Mewtwo Gold. Et toi, à la limite, apprends le mec Mewtwo X. C'est le X, mais le Gold, j'ai pas assez d'engrammes pour apprendre. D'accord. Donc, hop, ok, j'apprends le Gold. Nickel, 500 engrammes. Oh, mon Dieu. Et ensuite, ouais, on a pas mal de choses à prendre, comme par exemple l'Articodin. On a le Raikou. On a le Mew également, hein, 12 000 crédits.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le haut, on a le Régigas. Oh, j'adore ce... Régigas, c'est vraiment le petit préféré. On a le méga Dracaufeu. Ça, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. On a aussi peut-être d'autres Pokémon qu'on fera, qu'on pourra crafter après, genre celui-ci par exemple. Je connais pas trop les Pokémon de dernière génération, mais bon, pire, c'est pas grave. Au niveau des stones, on ira checker ça après. Qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est Milotic. Bon, ok, je sais pas ce que c'est, mais on va quand même apprendre. C'est Milobelus. On a la Megastone pour le Lucario. On a la Megastone pour le Rayquaza. Et forcément, nous avons ici le méga Rayquaza. Bah oui, non, mais forcément. Ici, l'Elector, le Palkia. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois un petit peu plus bas, on doit avoir des trucs assez intéressants, peut-être. Voilà, le Dialga. On a également le Mewtwo normal. Je sais pas si on va le crafter, le Mewtwo normal. Bon, je pense qu'on va quand même le crafter. Et on verra, enfin, ça permettra de voir un petit peu la différence par rapport aux autres. Mais je pense qu'au niveau des Pokémon, on doit être bon. Hein. Je vais quand même regarder un petit peu, mais... Ouais, je pense qu'on doit être plutôt bon. Juste, peut-être vraiment les récents de nouvelle génération. Je ne sais pas du tout si c'est rare ou pas. Puisque j'ai pas joué à Pokémon depuis un bon moment. Donc les nouvelles générations, je connais que dalle. Hein. Genre, par exemple, si lui c'est un légendaire, je ne connais pas. C'est vraiment pour vous dire. Moi, je suis resté sur les bases Pikachu, Salamèche, Dracaufeu, bon, t'as compris. Et au niveau des engrammes, on doit être bon. Nickel. Alors, on va ouvrir le petit terminal. On va lancer le craft de plein de choses. On a quand même 119 000 crédits. J'ai bien hâte de voir le nombre de crédits baisser au fur et à mesure. C'est... Mon dieu. Alors, lui, 25 000. Ça coûte la peau du cul. Mais ça coûte la peau du cul. Ça fait mal. Je vais plutôt crafter la Megastone, je pense, pour le Rayquaza. On a également le Palkia. On a la Est-ce que vous les Megastones d'ailleurs? Elle se crafte pas là-dedans? Peut-être dans l'inventaire. Est-ce que. Attends, stone. Stone. Ouais, d'accord, ok, c'est de l'inventaire. Alors, du coup, tac, je vais prendre un petit peu de crédit sur moi. La Megastone pour le Rayquaza, pour le Lucario, et le Mewtwo. Bon, ça, on verra ça après. On a le Ho-Oh, on a l'Articodin, on a le Raikou, on a. J'ai cru voir aussi autre chose il y a quelques instants. Le Dialga. Ouais, bon, là c'est plein, ouais. La fabrication est au mal. Ouais. Donc bah il n'y a plus qu'à attendre que tout ça se craft et ça va prendre un moment. Flemme d'attendre, donc je vais prendre celui-ci, je vais prendre celui-ci et on verra le reste après. Également, alors attends, j'ai quoi? J'ai la Megastone de Rayquaza et de Lucario. Alors, attends, on va chercher le petit Lucario. Lucario qui est ici, voilà, hop, oh, c'est fou comment il avance lentement. Alors tu sais, t'as l'impression qu'il... yes, ok. Tu t'as vraiment l'impression qu'il va courir hyper vite, mais... Pas du tout, c'est une véritable merde. Ouais, on peut le dire. Donc, on va prendre la Megastone, c'est celle-ci, et on fait utiliser dans l'inventaire. Fallait peut-être pas être dessus, je sais pas, ça a rien fait. Attends, use to evolve. Ouais, enfin, c'est pas manger dans notre inventaire quand même. Alors, peut-être, on n'est pas sûr que le méga Lucario en fait n'a pas été encore implémenté dans le jeu. Genre, on peut crafter le truc, mais peut-être que c'est possible que ce ne soit pas encore implémenté. Donc, bon, bah, c'est un peu dommage. Mais dans tous les cas, tiens, vas-y, fais apparaître ton Dialga. Je te. Oh la vache, je crois qu'il est énorme. Alors, il est glitché, il spawn avec moins de vie, mais. Oh là 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 là. Mais il est tellement grand. Attends, Palkia. Oh, le Palkia, nickel. Et lui, il spawn full vie par contre. Attends, c'est quoi cette douille? Le tien est level 4, il a 8000 PV. Le mien est level 6, il a 2000 PV. Putain, mais c'est la douille la plus complète. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, il peut voler ou pas? Hein? Il peut même pas voler. Mais c'est quoi cette douille? Mais ça peut voler, non? Même toi, il peut pas voler? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah bon, bah toujours aussi déçu hein, par rapport aux autres. Mais il a pas d'attaque, il a rien. Bon bah voilà, ce sont ça les légendaires, c'est ça. Bon, alors j'espère quand même que le Régigas sera bien. Attention. Ok, déjà je peux glisser dedans. Alors il est grand mais pas trop, il a pas l'air d'avoir beaucoup de poids. Mais oh là là, mais t'es sérieux. Mais t'es sérieux. En plus il spawn avec moins de vie. Level 31, il a combien de PV? Il a 17 000 au total. Je suis déçu. Et il a aucune attaque, hein, je crois. Non, bah, il y a seulement une attaque. Oh là là, mais sérieux, quoi. Mais c'est quoi ce mode? Même pas terminé. Bon, vas-y, à toi. Qu'as-tu à faire spawn? Articodin. Ouais, c'est bon, on peut le monter, tout va bien. Alors, attends, déjà, il a combien de PV? Il a 7000 PV, très bien au niveau des stats. 2500 le stat, 1500 de poids, très bien. Magnifique. Et
D'accord. Genre, vraiment, c'est qu'une attaque aussi. D'accord. Il a qu'une attaque. En plus, il ne peut même pas porter. Oh. Mais attends, genre vraiment, Elector et OO, ça va être pareil. Parce que attends. Lui, je le mets de côté. Très bien. Hop, voilà. Je prends le OO. Tac. Je le fais spawn. Voilà. Il est, je crois, déjà un petit peu plus grand. Très bien. Il fait des. Ah, oh, ça monte. C'est cool. Il fait des particules. Ok. Donc, il tape. Ouais. Et il a que ça. Oh non, attends. Il faisait un truc, non? Oh oui. Ouais. Ah non. Ah non, non. D'accord, c'est juste quand il se... Ah, ok. C'est juste quand il se stop. Ok, putain, je pensais qu'il faisait un truc. Et du coup, j'attendais. Oh, oh non, et pas du tout. Bon, alors déjà, à combien il tape? S'il y a encore des Pokémon. Là-bas, il y a un Galopa. 37. Oh là là, mais c'est sérieux. Non, mais level 6, il tape à 37. Mais c'est un OO quand même. C'est vraiment mais l'arnaque la plus totale. Hein. C'est légendaire qui coûte la peau des fesses et qui tape à 37. C'est merveilleux. Bon, ensuite, normalement, j'ai un petit... Non, tu as un Elector. Alors d'ailleurs, au passage, je pense que... En fait, niveau crédit... what? Bah non, même pas, on a... Bon, on a pas... Ah non, on a pas crafté l'Elector. Zut. Alors attends, je vais remettre ça dedans, tac, je vais lancer le craft. Mais oui, comme vous pouvez le voir, il nous reste 10 000 crédits. Et on n'a pas encore crafté tout ce qui est mec, Mewtwo, etc. etc. On est dans la merde entre nous. Donc, je pense qu'on va voir s'il n'y a pas moyen de se give des crédits. Je sais pas trop comment on va pouvoir faire, mais on va voir. Qu'as-tu à faire spawn, mon cher? Vas-y, je te regarde. Un Raikou, on peut le monter? Non, on peut pas le monter. Bah évidemment, évidemment, on ne peut pas le monter. Voilà, et c'est comme l'autre là, dans l'épisode précédent, je sais plus comment il s'appelait. Level 19, 7000 PV, ouais bon bah... Ouais, c'est triste, hein, mais ce genre de choses, malheureusement, il n'y a qu'une utilité. On a eu la même idée. On a eu la même idée, mais non, mais c'est dingue quand même. Hein. Parce que imagine, y a, vraiment, on peut passer des heures à les farmer, et c'est de la totale merde. Très bien, ensuite, nous allons pouvoir faire spawn le fameux Groudon. Ok, alors, qui lui est grand, encore une fois, très bon vie. Ah, il est stylé, hein. Ah, il est ah, il est pas mal, très bien. Alors, 10 000 PV, level 12, ouais, bon, très bien, d'accord. J'imagine qu'il a, encore une fois, qu'une seule attaque. Ouais, il a qu'une attaque, très bien. Et au niveau du déplacement, c'est un gogol. Ouais, c'est un vrai gogol. Bon bah, voilà, c'est ça le Groudon. En tout cas, je suis content de l'avoir fait spawn. Franchement, je suis très heureux. Ouais, j'ai pensé à quelque chose. Oups. Oh, nice. Mais tu penses qu'il tape vraiment à 900? Non. Oui, non. Ouais, je pense pas qu'il tape à 4000. Hein. Peut-être sur les structures, mais... Ouais, c'est le dégât des structures, c'est vraiment aussi. Ouais. Parce que bon, là 4000 je pense pas. Et d'ailleurs, alors oui, j'ai pas vu, mais en fait l'Elector il était dans mon inventaire juste là, hein. T'es juste totalement aveugle. Alors lui par contre, peut-être qu'il y a une chance qu'il ait une deuxième attaque. Ouais, il a deux attaques. C'est la même, mais ah, attends, peut-être un petit peu différente. Attends, je vais voir ça. Alors niveau des stats, il a quoi? Il a 1200 PV, bon d'accord, comme les autres. Mais ouais, peut-être que lui il fait autre chose. Genre peut-être un petit effet de... D'accord, pas du tout. Et ça? D'accord. Vraiment du tout. Ok. Bon bah... Mais en tout cas, c'est la maniabilité d'un tapet de Gera. Donc ça, bon, en revanche, ça peut être pas mal. Hein. Franchement, ça peut... Le clic droit, il fait plus de dégâts que... Si je mets un point là-dedans, il tape à combien? Il tape à 47, d'accord. 47 et clic droit, 51. Ouais, c'est une toute petite différence, quoi. Très bien. Tac. On se pose ici. Je pense qu'on va peut-être tuer 2-3 trucs, genre... tiens, hop. Métallos, tu dégages. Toi, 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 tu dégages. Et on va becter les cadavres. Je t'en prie, vas-y, fais spawn ton Mewtwo. Enfin, le Mewtwo basique, hein, c'est à 10 000, on n'a pas encore les mecs Mewtwo. Mewtwo, level 40, 42, ça va, franchement. 10 000 PV, très bien. Est-ce qu'il a plusieurs attaques? Vas-y. Il tape. Oh! Oh, nice! Alors, c'est pas très très long. Ah, c'est pas mal. Alors, attends. Hop, voilà. Alors, déjà... Ah, il est rapide, en vrai. Hein. Oh, attends, il est rapide. T'imagines, tu fais du breeding de Mewtwo, ça peut être grave bien. Alors attends, ça du coup, selon l'attaque, on va tester un petit peu les dégâts. Si je trouve un... Oh, ok, ouais, magnifique. Alors déjà... Ok, 89, très bien. Et son laser de merde. Ouais, d'accord. Et attends, par contre, est-ce que ça met la torpeur? Genre ça. Ouais, je crois que ça... Ça met la torpeur sur le joueur, mais pas sur les ennemis. Donc c'est comme le truc de vilain électrique. Là. Très bien. Alors, je pense qu'on risque peut-être d'avoir un petit peu de visite avec des insectateurs. Je suis pas sûr, mais bon. Et au niveau du Mew... Oh, d'accord, ok. On peut pas le manger. Évidemment. On peut le ramasser.
Évidemment, c'est on le ramasse. Alors, c'est un petit peu bizarre. Genre, on dirait qu'il tient sur l'épaule, mais c'est un petit peu... Ouais, ouais. Alors attends, je vais le lancer à perpète. Oh, même pas d'accord. Il a combien de PV? Il a 14 000 PV. Putain, il met 3 plombs pour arriver à terre. Ok. Alors, 14 000 PV. 325 de stam, 1000 de bouffe, 82 de poids. Ouais, c'est pas fou. C'est pour un Mew, c'est pas fou. J'imaginais mieux. Un petit peu déçu, quand même. Et tu es prêt à faire spawner le premier méga? Évidemment, il repleut. Oh, mais quel plaisir, il pleut toutes les 2 minutes. Bon, vu qu'il pleut, on se réfugie ici. Voilà, on n'aura pas les particules de pluie totalement dégueulasses. Est-ce que tu es prêt? 3, 2, 1, go. Oh, d'accord, ok. Bon, déjà, il est pas très très grand, hein. Ok, Mega Charizard level 10, d'accord, ça commence bien. Et il a... Ah oui! Ah oui, ça c'est pas... D'accord, ouais, donc déjà au niveau des PV, c'est pas mal. Alors attends, juste le poser pour le voir un petit peu. Ah ouais! Oh, il est stylé comme ça! Oh. Ah oui, il est pas mal! D'accord, alors attends, on va tester un petit peu dehors. Alors, attends, le tien, il est level 45 et moi, 10. D'accord, génial. Ton niveau PV, il a 12 000 et moi, il a 11 000, d'accord. Bon, déjà, on va être le jour, voilà. Et au niveau vitesse, c'est pas ça, hein, c'est pire que le Dracofeu, je crois. Bon, ce qu'on va faire, on va, voilà, lui give un petit peu, quand même, de vitesse. Voilà, on va tout mettre dans la vitesse. Il ira déjà un petit peu plus... Ouais, non, c'est pas fou en fait. Alors, il y a un Florizarre ici. Alors, du coup, c'est clic droit pour le. Non, c'est ça? C'est. Alors, attends, c'est ça? Ouais, bon. De toute façon, c'est un bas level. Fallait pas s'attendre à grand chose. Mais par contre, c'est con. En fait, il peut pas taper. Genre, il n'y a pas de. Parce qu'en fait, il fait une animation bizarre quand il tape. Là, je fais par exemple clic gauche. Et bah, c'est ça. Donc, c'est pas. En fait, il crache que du feu. Oh, je suis déçu par contre, parce que même en faisant toutes les autres touches, là il y a le feu, et bah c'est tout en fait, hein, c'est tout ce qu'il fait. Le clic droit c'est pour porter, c'est tout. Très bien, d'accord, donc c'est de la merde. Ensuite, j'ai encore 2 choses à faire spawn. Tout d'abord, le sol machin midule là, ok, le truc que je ne connais pas et qui est, la vache d'accord, énorme. Enfin, un Pokémon comme ça qu'on peut monter, mais c'est extraordinaire dis donc. Level 24, 1600 PV, d'accord, attends, est-ce qu'il fait des attaques particulières? À part un lag? Non, d'accord, il fait pas de... Ok, d'accord, bon, bah... C'est pas fou, hein. Et, ils sont où, ses yeux? C'est on dirait juste un avion du futur, tu vois, on dirait pas autre chose, hein. Non, je vais faire spawn, son counterpart. Oh! Ah oui, il est énorme! Ah ouais! Alors, attends, au niveau PV, il a combien? 6700. Ouais, bon, level 15, en soi, c'est respectable, hein. Il fait des attaques particulières? Non. D'accord, très bien. Alors, attends... Hop, déjà, les hitbox m'ont bugué, ok. Ouais, c'est... Ouais... Alors, c'est vrai, il est impressionnant en taille, mais c'est tout. Il est juste impressionnant en taille. Le reste, non, il est pas impressionnant. Bon, bah, pourquoi pas. Mais pourquoi ils ont pas fait comme celui-ci pour Raikou et tout, ça aurait été pas mal. Bon, alors, j'ai ensuite un dernier truc à faire spawn, c'est un tout petit truc, un Milotic, que j'ai pas fait spawn. Et, ah, d'accord, c'est ça, bah oui, putain, je suis débile. D'accord, donc c'est ça, le Milotic. Ah, j'avais oublié justement. Alors, on va se poser ici pour faire évoluer le Rayquaza, parce que malheureusement, à la base, on voit pas grand chose. À la limite, essaie de prendre un volant et essaie de me rejoindre en face. Parce qu'avec tous les arbres, c'est c'est pas possible hein, de voir. Tu vas y arriver. Y a pas de soucis. Tu vas y arriver, Cross. Oh là là. Tellement lent. Bon, je sais pas comment ça marche, mais c'est censé. Alors, je vais peut-être descendre comme du truc. C'est censé, en lui faisant bouffer. C'est pas en lui faisant bouffer. Très bien. Mais comment ça marche alors? Enfin, je veux bien, mais ça va pas être ça. Bon, vous savez quoi? On va faire un petit peu plus simple. Là, on va se mettre en créatif, comme ça, bon, c'est fait. J'ai pas non plus gaspillé tous les crédits. Déjà qu'on a pas beaucoup. Megastone pour ça et ça. Ok, normalement, on a ce qu'il faut. Nickel. Donc, on va prendre, tac, le truc là. Voilà. Tac. Et est-ce que en faisant une touche particulière... Ah. désolé, je voulais pas. Mais non, du coup, bon bah désolé hein, Rayquaza, mais on va pas pouvoir te faire évoluer. Hein. Mais en revanche, on peut crafter le méga Rayquaza, ça y a pas de problème. Oh, il a trop stylé. Oh, il a l'air trop stylé, t'es prêt? Oh, t'as la place parfaite. Là pour voir, t'as la place parfaite. Méga Rayquaza. Oh mon dieu, d'accord. Ah oui, d'accord, il est déjà un petit peu plus grand. Hein. Oh. Oh ouais, alors oui, déjà il spawn avec un petit peu moins de vie. 15 000 PV, très bien. Il est beaucoup plus lent que Rayquaza. Très bien.
D'accord, au niveau des attaques. Ah, c'est génial, le méga est encore plus pourri que son bah, que sa version précédente. Non mais sérieux, c'est fou, c'est totalement fou. Oh, je m'attendais à un truc de fou quoi. C'est un méga request ça quand même. Oh, je suis déçu. Je suis tellement... Attends, je vais voir à combien il tape. Oh, mais c'est tellement la déception, vous pouvez même pas imaginer. J'ai attendu un épisode pour voir ça. D'accord, donc là déjà j'ai tapé l'arbre, même pas le... Oh non, d'accord. Alors, je vais réessayer, attention. 87. Waouh, 87, c'est trop bien. Putain, mais sérieux. Oh, je suis déçu. Mais c'est un méga Rayquaza quand même. Vas-y, je te prends ta place, je te regarde. C'est quoi ça? C'est quoi? Yveltal. D'accord. Ah oui, le ninja. Mais oui, le petit ninja. D'accord. En fait, il sert à quoi ce ninja? Genre, il sert à un truc ou... Oui, tu peux attaquer avec. Waouh. C'est quand même très très bizarre. Hein. Non, en fait, si tu veux faire un truc RP avec ça, ça peut être pas mal. Il fait 109. Quoi? Attends, il tape plus que le méga Rayquaza. Mais c'est fou, c'est tellement fou. Bon, puisque malheureusement nous n'avons plus de crédit, j'ai pas envie de passer plus de temps sur ce mode. Je n'ai pas envie de passer des heures à farmer. Donc, hop, je me craft le méga Mewtwo Gold, le mec Mewtwo X, et bah voilà, on va tous crafter, voilà, les méga stones, nickel. Bon, alors, on va commencer par le mec Mewtwo normal. Ok. Waouh. Oh, stylé. Reviens, non, reviens, non, mais reviens. Il a glissé. Mais arrête, tu vas où? Mais il va... Il est infâme. Ok. Oh, il est stylé. T'es où, toi? J'étais bordé. D'accord, oh, stylé, d'accord. Il a... Ok, donc déjà, il y a un laser rouge. Oh, il est stylé, d'accord. Et vas-y, son attaque, ça fait du 15. Très bien, quand il tape, ça fait du 53. Ok. Ah, il est pas mal, en vrai, celui-là. D'accord, donc toi level 27, il a 5000 PV. C'est un petit peu abusé hein, quand même, enfin 5000 PV pour un truc qui coûte la peau du cul. Entre gold et le mec normal. Es-tu ready pour faire c'est le gold? Eh ben let's go. Nice. Nice, bien ça. C'est pas mal. C'est... On a bien fait de pas le craft. Ouais, c'est trop bien. Non mais genre vraiment ça fait spawn, ça fait un spawn? Ouais, je les ai toutes mangées. Bon bah pas de gold. Très bien. Ensuite le dernier, le mec X. Oh, j'ai cru que ça allait pas faire spawn. Non, reviens, redescend. Oh, j'ai réussi à choper. Alors, d'accord. Il est stylé, mais il est moche. Hein. Ça je tiens à le dire. Très bien, alors attends, le mec est que level 4. Non mais c'est magnifique. 10 000. Waouh. Qui est extrêmement trop frais. Wouah, mais en plus il y a le bruit et tout. Oh là, ah, j'ai envie de tester les dégâts. Attention, Nidoking, ça fait combien? D'accord, ça fait rien du tout, ça fait un truc ça. Wouah. Quoi? Oh, 621 il tape. Attends, je vais essayer là-dessus. Attends, attends, je tape à combien? 451. Oh là là. Et ça par contre, c'est le seul truc qui vaut la peine d'être crafté dans ce mode. C'est vraiment le seul truc où je vous conseille vivement. Waouh. T'as vu ce que ça fait en dégâts? Alors lui non, franchement je tiens à dire, là par contre celui-là il est bien. Je crois que c'est la seule chose du mode qui mérite d'être crafté. Ouais. Attends, celle-là j'ai trouvé parfait. Alors après bon, le seul truc c'est quand même au niveau du prix et surtout au niveau du level, hein, parce que bon, il est que level 4, donc c'est très très aléatoire. Mais si jamais vous avez de la chance, mais ça peut être tellement bien, hein. Franchement, je vous assure, avec ça, nous, on avait des levels 600, donc forcément, aujourd'hui, c'est plus trop adapté, mais, oh là, mais il y a tellement moyen de faire un truc de fou. Mais ça fait quoi, ça? Je sais pas ce que ça fait. Là, c'est, j'ai l'impression que... En tout cas, je lui mets un high kick. Pouh. Ah ouais. Ah d'accord, ok, il farme du bois. Très bien. Oh, c'est... Bon, je pense pas que tu farmes un Mewtwo pour farmer du bois. Hein. Je pense qu'à ce niveau-là, bon, c'est... Ouais, il y a quand même moins cher. Ouais. Eh bien écoutez, je pense qu'on va pouvoir se laisser là pour ce sixième et dernier épisode qui, j'espère, vous aura plu. Et ouais, c'est vrai que ça serait pas mal de se crafter, tiens, plusieurs Mewtwo, voir un petit peu le level. Le level 16. Alors attends, level 28, très bien. Level 22, bon, tant pis, voilà, je vais le crafter. Et au niveau des levels... Ah, c'est pas fou. Dans tous les cas, un grand merci d'avoir suivi ce dernier épisode. Et surtout, un grand merci d'avoir suivi cette série qui était, bon, dans tous les cas, c'est dans le concept de la série Boost. Enfin, des séries Boost. On teste des modes packs. Ça peut très bien aller du mode
qui dure deux épisodes au mode qui dure 30 épisodes, tout simplement. On continuera très bientôt avec la suite de ce concept boost sur un nouveau mode pack. Mais en attendant, je vous donne rendez-vous très très prochainement pour la nouvelle série Primal Fear qui devrait arriver d'ici quelques jours. Sauf si peut-être je poste cet épisode, au final, après la sortie de la série Primal Fear. Dans ce cas, ce sera un petit peu idiot, mais bon. Merci beaucoup, Cross, d'avoir été là, tout simplement, pour cette fin de série. Et en même temps pour cet épisode, merci. Et puis écoutez, c'était Starkey, c'était Cross. À la prochaine, je fais salut alors qu'il fait même pas de salut, mais bon, c'est pas grave. Et puis salut, tchuss.